Donc c'est quand vous êtes prêts. Donc bonjour à tous. Donc c'est quand vous êtes prêts. Aujourd'hui, on arrive au mandat de faire, j'aimerais qu'on fasse en arrière un peu le mandat de faire. Donc je présente Sophie Leblanc, Chani Raté et Sophie Leblanc. Donc moi, je vais vous parler de l'autre jour. On va commencer par une présentation d'entreprise et des problématiques qui ont été soulevées dans le cas. On va parler de la mission et des valeurs d'entreprise. Ensuite, on va parler des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Ensuite, on va y aller avec les solutions à la problématique qu'on va avoir avec les mentionnés CEO. Pour commencer, je vais vous présenter l'entreprise. Dans le fond, nous, ce qu'on a appris aujourd'hui sur l'entreprise, c'est une entreprise qui est une nouvelle branche d'Active Gaming, une entreprise qui se spécialise dans les ordinateurs de gaming et la gestion d'actions automobiles de gaming. Et dans le fond, la gestion de les utilisables que les gens peuvent voir se débarrasser, les gens d'ordinateurs peuvent voir se débarrasser. Donc, faire des ordinateurs gaming à partir de pièces remises à neuf ou un mélange de remises à neuf ou un mélange du client. Ou est-ce qu'il y a des problématiques, on avait comme mandat de trouver une solution pour la visibilité que les clients ont porte d'hiver. Il y avait aussi la manière de des solutions pour que les clients comprennent mieux que les termes où est-ce que Omnidaire alors. Donc la mission, c'était d'offrir à la clientèle une solution, c'était d'informatique complète qui respecte les normes environnementales et le développement durable. Pour nous, les valeurs principales d'Omnidaire sont rigoureux parce qu'ils prennent la peine de vraiment tester leurs produits avant de les mettre. Ils prennent la peine de s'assurer qu'ils sont plus potents à fonctionner qu'un ordinateur complètement nu, complètement neuf. Complètement ainsi qu'ils sont écologiques, ce qui est une valeur très importante pour la génération d'aujourd'hui. C'est pour ça que ça nous tenait à cœur aussi, toutes ces valeurs-là. Donc, on va poursuivre avec les forces de l'entreprise. Donc, une des grandes forces de l'entreprise, c'est qu'elle a des grandes gammes de prix quand même. Par exemple, par mettons, on prend un outil qui a été remis à l'air par rapport à pièces usagées, qui va être moins cher, on va pouvoir correspondre peut-être à un étudiant qui veut commencer dans le même. Après ça, la compagnie, elle offre aussi du financement, donc c'est un avantage juste pour les clients qui en ont besoin. Donc c'est un avantage juste pour les clients qui en ont besoin. Ça aussi le consommateur à acheter un luxe comme les clients. Le fait que la livraison soit offerte partout au Québec, ça permet d'avoir une grande clientèle cible, de vivre tout à travers la province, donc c'est un avantage. Aussi, l'entreprise, elle a l'opportunité d'avoir une très bonne relation avec ses fournisseurs, pour que ça ait une très bonne relation avec ses fournisseurs, ça n'est pas une entreprise de fait. Alors, pour les opportunités, le produit est très concurrentiel sur le marché grâce à sa manière d'être personnalisable et sa manière avec les personnalités qui sont utilisées contrairement à leur marché indirect. Pour ce qui est des faiblesses, on en a rencontré quelques-unes dans la vidéo. On se rend compte que l'Active Gaming et tout le monde sont principalement plus connus comparé à leurs concurrents. Donc, ça va être vraiment de quoi animer sur la vidéo. Donc, ça va être vraiment de quoi. Et aussi la publicité que nous, on trouvait qu'avec quelques petites, comme peut-être des termes techniques. Ce n'est pas tout le monde qui est capable, quand on s'en va gaming, de comprendre l'école de communication graphique, par exemple. Et aussi la non-attractivité. Nous avons vu les effets promotionnels de concurrents, nous avons vu les couleurs pour attirer des nouveaux clients. Ça serait intéressant de voir ça aussi, puisque c'est une nouvelle branche, je pense qu'on va attirer le plus de monde. Je pense aussi que
diffusion comme Facebook, puisque notre clientèle cible et la jeune génération est moins portée souvent à aller directement sur Facebook. C'est plus, on vous demande que vous avez une page sur Instagram, qu'il y a déjà plus de chances de s'afficher. Carnet là pour les menaces, nous avons rencontré des concurrents directs, comme Arc et Unique, qui eux aussi là, dans le fond œuvrent avec les matières, et puisqu'ils sont vraiment un peu plus connus, puisqu'ils sont une grande menace de tactique. Donc, les solutions apportées à la problématique. Donc, il s'agit d'augmenter la générosité et le facilement. Donc, pour ça, on a comme solution pour ça de mettre en exécution des ordinateurs à des intégrateurs. Donc, je ferais un partenariat direct avec. Donc, les abonnés les influenceurs pourraient tout de suite remarquer le bon produit, tout de suite remarquer pour s'en intéresser le bon produit. Puis, il y avait l'aspect de la fidélisation. Cet aspect-là, on pourrait l'explorer. Cet aspect-là, rendu à la vente. Donc, demander le courrier à la chose comme ça pour offrir des offres personnalisées. Des offres personnalisées. Plus une banque de données vraiment intéressante. Ça ferait plus une banque de données. Nous avons aussi pensé, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'extérieur technique, Donc, moi, je vais vous parler de la solution qu'on a trouvée pour augmenter la connaissance des clients sur la compagnie. Donc, distance, puis que vous faites avec la compagnie.
Après ça, il y a la division du site internet aussi. Quand on voyait les onglets sur le dessus du site, on voyait qu'il y avait trois divisions pour les différents consommateurs, par exemple, pour la crypto-monnaie, ou pour les utilisateurs de jeux vidéo. Nous, c'est les jeunes, on peut dire. Nous, on n'aime pas ça. Ça dépend vraiment de à quel niveau de gratuit, ça dépend vraiment de à quel niveau de on veut se rendre.
on arrive à cette situation. C'est plus au niveau du budget échéancier. Échéancier stratégique. Comment c'est par quoi dans combien de temps? Est-ce que c'est la période de combien de temps? Mais après, on pense qu'un stagiaire marketing, là, ça serait important de peut-être avoir. Même un stage étudiant, normalement, c'est l'année, fait qu'on est pour une période de 3 mois. Je pense qu'en 3 mois, un stagiaire serait amplement capable d'en voir. Donc, il restait 2 minutes 30, donc 12 minutes secondes. Donc, 12 minutes secondes. C'est l'erreur. Ça va, c'est du service. C'est le luxe, c'est un rapport comme Vanneau, qui a resté un